La situation est critique à Chersey, dans la région de Lanaudière. Les pluies diluviennes des dernières heures ont causé d'importants dégâts. On parle d'inondations, de routes affaissées, ce qui empêche la circulation dans certains secteurs. Et Annick, on demande aux citoyens de rester à la maison aujourd'hui. Oui, et on vient tout juste de faire le point là, du côté de la municipalité de Chersey, Marie-Ève, parce que donc, il y a encore une vingtaine là, de tronçons de route qui sont toujours, qui ont été affaissés finalement et qui demandent à ce qu'il y ait des travaux. Donc, des centaines de citoyens qui sont enclavés ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais quand même, là, depuis hier, ça s'est stabilisé parce qu'hier, il y a eu des inondations dans plusieurs rues finalement et il y avait plusieurs personnes qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, des voitures qui avaient été emportées, des cabanons aussi qui avaient été emportés par l'eau. Alors, la municipalité qui avait demandé aux gens de ne pas sortir de la maison. Et là, on a fait un rappel aujourd'hui, même s'il ne pleut plus, le niveau là, des rivières et des lacs est toujours très haut. Alors, on dit aux gens de ne pas s'aventurer en kayak, en bateau, à la nage. Ce n'est pas sécuritaire du tout. Alors, il faut faire bien attention. Et on demande aussi aux citoyens d'avertir la ville, finalement, s'il y a des travaux à faire, parce que ça va être un travail là, de plusieurs jours. Nous avons une vingtaine de tronçons de route partiellement ou en totalité endommagés, dont quatre endroits laissent plus d'une centaine de citoyens enclavés. Les réparations vont probablement prendre un petit peu plus de temps. Les événements climatiques nous démontrent la pression qu'elles peuvent exercer sur nos infrastructures municipales. Avec nos 347 km de route et nos nombreux lacs, 58 barrages, l'adaptation de ceux-ci aux variations climatiques vont exiger des investissements en amont. Et justement, la mairesse, on a pu l'entendre, elle dit que ça va prendre des investissements pour réparer les barrages parce qu'il y en a un qui s'est carrément brisé là, cette nuit et qui a donc fait une grande inondation. Et puis ça va créer des problèmes là, sur les terrains aussi, des citoyens là, qui vont devoir refaire vraiment là, leur terrain au cours des prochains jours. On peut en entendre une que j'ai pu rencontrer plus tôt. On est un peu en bas d'une pente, hein. Donc l'eau est venue assez rapidement. Ça l'a mangé le chemin, comme on dit en québécois. Ça l'a mangé le chemin, puis le chemin, bien, c'est envenu chez nous, dans la cour, la garnotte, et le tout, et le tout. On va peut-être avoir là, un plancher de sous-sol à replacer. C'est surtout au niveau du terrain. Donc, au moins, Marie-Ève, il ne pleut plus pour le moment. Alors, on reste quand même sur place pour voir comment la situation se stabilise. Et on vous retrouve cet après-midi. Merci, Annick.